Oh les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment récupérer votre compte Instagram piraté. Avant de partir les amis, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, car il y a plein de vidéos à venir qui vont beaucoup sans doute vous intéresser. Si vous aviez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de vous amuser à les balancer en commentaire. Let's go les amis, comment récupérer son compte Instagram piraté? C'est parti! Les amis, on va ouvrir l'application Instagram. Alors, on clique sur Instagram. Attention, cette vidéo, c'est de vous montrer comment récupérer votre compte Instagram, soit par numéro de téléphone, soit par adresse mail, soit par Facebook. Si vous voulez récupérer votre compte Instagram sans adresse mail, sans numéro de téléphone, sans Facebook, cliquez sur le lien en suggestion. Vous allez voir expliquer en détail comment récupérer votre compte Instagram sans numéro de téléphone, sans Facebook, sans adresse mail. C'est parti. Alors les amis, si vous cliquez sur le logo Instagram, vous allez tomber sur cette interface si vous avez un smartphone. Par contre, si vous avez un iPhone, c'est différent. Vous allez voir écrire en bas mot de passe oublié. Vous cliquez directement sur mot de passe oublié si vous avez un iPhone. Si vous aviez un smartphone comme moi, vous allez tomber sur cette interface. C'est pas écrit mot de passe oublié. Alors, vous allez cliquer sur Obtenir de l'aide pour vous connecter. On clique sur Obtenir de l'aide pour vous connecter. Alors, comme vous voyez ici, vous aviez trois options. Soit vous rentrez votre nom d'utilisateur, soit vous rentrez votre numéro de téléphone, soit vous rentrez votre adresse mail. Moi, je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Et je clique sur suivant. Alors, et vous cliquez sur envoyer un texto. Par contre, attention, souvenez-vous, au moment où vous avez créé votre compte, si vous l'avez créé par numéro de téléphone, vous allez recevoir le code par numéro de téléphone. Si vous l'avez créé par adresse mail, vous allez recevoir le code par adresse mail. Si vous l'avez créé par Facebook, pareil, vous allez recevoir le code par Facebook. Alors, je vais cliquer sur envoyer un texto. Moi, je l'ai créé par numéro de téléphone. Comme vous voyez, il s'est directement dirigé par numéro de téléphone. Là, je vais recevoir un code et il va automatiquement se connecter. Alors, comme vous le voyez, il s'est automatiquement connecté. Par contre, si c'était par adresse mail, vous allez devoir vous connecter sur adresse mail. Comme vous voyez le code, vous allez devoir vous connecter par adresse mail et prendre le code et se connecter. Par Facebook, pareil, vous prenez le code sur Facebook, vous venez sur Instagram et vous vous connectez. C'est simple et rapide. Si vous voulez, une deuxième fois, récupérer votre compte Instagram sans numéro de téléphone, sans adresse mail, sans Facebook, cliquez sur le lien en suggestion. Vous allez voir en explication détaillée. Merci beaucoup, la famille. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification car il y a plein de vidéos à venir qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup sans doute vous intéresser. Si vous avez aussi des questions, amusez-vous à les balancer en commentaire. Merci la famille, à la prochaine. Ciao, ciao.